Shalom, shalom à tous nos bien-aimés, fils spirituels et le monde entier, et pour tous ceux qui nous suivent, nos amis, frères et sœurs de l'Internet, de l'internaute, et ceux qui aiment bien suivre la chaîne de la brigade anti-sorcier, le mal cruel du monde, c'est ce mal qui détruit et qui endeuille plein de familles, malheureusement. Et Dieu nous a donné cette onction afin de pouvoir lutter contre ce mal satanique, démoniaque. Voilà, donc je vous parle depuis Paris. Paris, ça fait pratiquement un mois que je suis sur le continent européen. Mon seul objectif, c'est de prier pour la diaspora. Et beaucoup de questions sont posées. Pourquoi le prophète est crasso est sur le continent européen? C'est parce qu'il y a des victimes. La plupart des victimes sont ici sur le continent européen. D'autres ont fait 25 ans, 30 ans sans revenir en Afrique. Et c'est là que mes cœurs, parce que l'Afrique a besoin d'eux pour se développer. Ils ont peur même d'aller investir. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème qui fait que l'Afrique ne se développe pas. Parce que les gens sont bloqués, ils ont des maladies bizarres, ils ont une situation bizarre. C'est pas une question de religion, c'est pas une question de religion chrétienne. Si tu es victime de la sorcellerie, nous pouvons encore te délivrer de cette situation dans laquelle tu te trouves. Voilà, donc je suis là, n'est-ce pas, afin de pouvoir échanger et prier pour la diaspora, afin que vous puissiez revenir librement investir en Afrique. Parce que le continent africain est le continent d'avenir, et tout le monde le sait d'ailleurs. Et malheureusement, j'ai une présence qui, n'est-ce pas, détruit, n'est-ce pas, tout projet de développement, parce que la sorcellerie est anti-développement. J'étais, par la grâce de Dieu, hier à Rouen, au cœur de l'histoire de la chasse aux sorcières, où je suis allé voir le palais où Jeanne d'Arc a été jugée pour pratique de sorcellerie, où on l'a condamné, et je suis allé voir où l'on brûlait au bûcher. J'ai vu des images, c'était vraiment émouvant. Et pour comprendre que les Blancs même ont pratiqué la chasse aux sorcières, elle a été tuée en partie de. En 15e siècle, ils ont bien trois siècles pour détruire la sorcellerie. Donc ça existe. Les Blancs savent que dans leur histoire, ils ont pratiqué les Occidentaux. Ils le savent très bien que pour atteindre le niveau qu'ils atteignent aujourd'hui, ils ont dû éradiquer la présence de la sorcellerie chez eux. Aujourd'hui, ils font partie des pays, n'est-ce pas, on dit émergents. Voilà, donc pour que l'émergence est d'abord spirituelle, une fois l'Afrique est délivrée de toute cette pression, parce que la sorcellerie ne sort que lanceur de sort, c'est négatif, quelqu'un qui lance un mauvais sort. Voilà, donc je vous parle depuis Paris. À cette date aujourd'hui de jeudi 25 novembre 2015. Voilà, donc je tenais aussi à m'excuser près de tous mes amis organisateurs de ce programme qui devait avoir lieu ce week-end-ci en Belgique, pour dire le prophète Crasso s'excuse, je m'excuse par rapport à la situation qui prévaut actuellement en Belgique. Je ne peux pas m'y rendre parce que je ne peux pas m'y rendre. Donc le programme sera, n'est-ce pas, à très bientôt, elle est reportée à une date ultérieure, parce que j'aurai l'occasion de revenir encore, afin de pouvoir participer à ce grand programme. Donc je m'excuse, non seulement ça près de tout le comité d'organisation, et un peu près de tous ceux qui étaient prêts à convoyer vers Belgique par rapport à la délivrance. Et en même temps, j'en profite pour vous parler d'un programme de taille, c'est ce week-end-là, à partir 28, ce samedi 28, ce samedi 28, novembre 2015, c'est à Saint-Denis. C'est un programme de taille, de délivrance. Tu es dans une situation quelconque. Tu n'arrives pas à marcher. Tu atteins un cancer. Tu atteins une insuffisance rénale. Tu as le diabète. Et tu constates que tout ce que tu fais n'arrive pas à avancer. Tu n'arrives pas à te marier. Ta situation est bizarre. Tu n'arrives pas à avancer. Même le travail. Toute situation bizarre autour de toi. Ne rate pas l'événement, parce que c'est après ce programme que le prophète Crasso aura l'occasion de partir en Italie et rentrer en Côte d'Ivoire. Et je serai aussi avec vous en fin d'année, donc j'aurai l'occasion de vous partager des expériences, des techniques de combat spirituel, vous consacrer par rapport à la nouvelle année. Donc ne ratez pas l'événement. Venez avec vos familles, venez avec vos enfants, venez, tout le monde sera une loi à l'imposition des mains et en même temps des actions prophétiques. Voilà, donc si tu es même dans un pays juste à côté de France, viens rapidement, parce que cette occasion-là, ne la rate pas. J'aurai l'occasion. C'est vrai que la dernière fois, il y avait tellement de monde et il y avait un problème d'organisation. Donc, on n'a pas pu, n'est-ce pas, recevoir nos bien-aimés qui venaient même du Canada, qui venaient même de la Belgique, de Suisse. Oui, de Suisse, tout ça. Mais cette fois-ci, elle sera la bonne. On aura l'occasion de s'occuper de vous, par la grâce de Dieu. Donc, toutes mes excuses pour ceux qui étaient venus, on n'a pas eu l'occasion. Maintenant, voici une occasion qui se présente à vous. C'est ce samedi, le 28. Ne rate pas le 28, c'est un programme de taille, un programme de pointe de délivrance. Si tu as raté ce programme, frère, il y a des choses de conscience qu'on ne doit pas rater. Tu es malade, hein? Quelque chose se passera dans ta vie. Je suis convaincu que Jésus-Christ te guérira. Je suis convaincu que sa tête rencontre, tu seras délivré. C'est ce samedi 28 novembre à Saint-Denis. Je vous donne l'adresse. L'adresse maintenant, c'est le 17 boulevard de la Libération. Je vous donne l'adresse, c'est boulevard
17 boulevard de la Libération, 93 320 Saint-Denis. Je reprends. 17 boulevard de la Libération, 93 320 Saint-Denis. Je reprends encore. 17 boulevard de la Libération, 93 320 Saint-Denis. C'est ce samedi, à partir de 15h jusqu'à 23h, il y a eu un programme de taille, de délivrance, de restauration, d'action prophétique, de révélation de pointe. Ne rate pas. Vous savez bien que quand vous avez un problème sérieux et de maladie de santé, on vous confie un spécialiste. Nous, c'est notre spécialité. Ça a été toujours ma spécialité de combattre ce mal et de vous permettre de rentrer pleinement dans vos grâces. Donc, ne rate pas ce programme. C'est à Saint-Denis, ici en France. Voilà, donc que Dieu vous bénisse. Shalom, sois béni, mon bien-aimé. Et à samedi pour ta délivrance. Ne rate pas. Et à samedi pour ta délivrance, Jésus-Christ aura l'occasion de te délivrer. Sois béni.